Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons célébré la messe du 30e dimanche du temps ordinaire. Et au cours de cette messe, nous avons découvert que Dieu nous aime. Mais il aime bien lorsque nous nous comportons comme des hommes et des femmes remplis d'humilité à son égard. Il n'aime pas beaucoup que nous jouions des mécaniques pour montrer que nous sommes des gens parfaits et qu'on n'a pas besoin de Dieu. Dieu, il est comme un papa, une maman. Il aime bien que ses enfants aient besoin de lui et nous. Eh bien, nous sommes appelés à lui montrer que même si nous faisons bien les choses, nous avons besoin de son amour, nous avons besoin de sa tendresse, nous avons besoin de son amour. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons pris conscience qu'il faut que nous nous présentions humblement devant lui pour lui demander son pardon et ainsi découvrir que nous sommes ajustés, non pas à la force de nos coudes, mais parce que lui, Dieu, il descend jusqu'à nous par son Fils Jésus-Christ, qu'il nous prend dans ses bras, qu'il nous prend sous son cœur et qu'il nous offre son pardon. Alors voilà, ça c'est l'année de la miséricorde, nous la vivons jusqu'au 20 novembre prochain et il faudra que chacun puisse trouver un moment où il aura le courage d'aller vers Jésus en disant « Jésus, j'ai besoin de ton pardon, je me jette dans tes bras, je ne regarde pas si tu vas me juger ou si tu vas me condamner, je sais que tu me prends comme je suis pour me remettre debout et en m'offrant ton pardon de me rendre toute ma dignité de fils et de fille de Dieu. » Alors, courage frères et sœurs, moi je vais devoir effectivement faire aussi cette démarche et d'un même cœur, nous allons nous approcher de ce Jésus pour découvrir que Jésus, il est celui qui pardonne et non pas celui qui condamne. Voilà. Bon dimanche à tous et puis bonne montée jusqu'à cette fête du Christ-Roi qui sera l'aboutissement de cette année de la miséricorde.